Et dans vos humeurs ce soir, vous nous parlez de Nathalie Kosciusko-Morizet qui persiste dans ses propos sur le métro parisien. Et oui Nicolas, Nathalie Kosciusko-Morizet était sur notre antenne ce matin pour confirmer ses propos sur le métro. Lieu de charme et de grâce, a-t-elle déclaré au journal Elle, ce qui lui a valu les foudres des réseaux sociaux, Twitter notamment. Alors une femme politique qui n'en est pas à sa première bourde métropolitaine. Souvenons-nous que c'est dans votre émission, Nicolas Poincaré, en février de l'année dernière, qu'elle s'était déjà illustrée sur sa parfaite connaissance du chemin de fer souterrain. On écoute votre question de l'époque. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro ? Alors à ce moment-là, on attend, bon, 1,70, 2 euros à la limite, et non, on entend... 4 euros et quelques. Voilà. Donc là, le chef de cabinet, dehors du studio, l'attaché de presse, font une sorte d'huile, première pression à froid avec leurs fesses, et se disent, et voilà, c'est foutu, c'est plus la peine de faire campagne, je rentre au bureau, je mets 3W cadre emploi, on regarde ce qui se présente. Alors même si elle s'est trompée dans son malheur, heureusement qu'elle a bien compris la question à l'époque. Imaginez qu'NKM ne l'ait pas comprise la question. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro ? Le prix d'un ticket de métro, je sais pas. Moi, je fais pas ça du tout, c'est l'esthéticienne. Hein. C'est une mode qui a... Non, mais... C'est une mode qui a toujours existé. C'est vrai que c'est beau un maillot tout propre. Maintenant, mon mari, il aime pas du tout. Lui, il aime bien quand il y a deux, trois feuilles qui traînent. C'est vrai que quand c'est trop net, ça fout le bourdon. Bon, là, elle répond ça, on se tourne vers la lumière, on éteint tout, on ferme la radio, on part marcher en montagne, on peut plus aller plus haut. Alors, ce matin, elle confirmait son propos sur le métro, je cite, « C'est pratique et rapide, même s'il y a des côtés qui sont très pénibles, j'aime bien être à côté des gens. » Alors c'est vrai que ligne 1, défense Vincennes, un vendredi à 18h, on est bel et bien à côté des gens, voire même dans les gens. Le métro aux heures de pointe, c'est une forme de partie fine gratos et obligatoire. Alors vous tentez de prendre la barre le plus haut que vous pouvez, là où le moins de gens ont pu la toucher, ce qui fait que vous sentez plus votre bras au bout de 10 stations, enfin vous sentez plus votre bras, mais vous sentez celui du voisin. D'ailleurs vous sentez tout du voisin, et entre votre bras et celui du voisin, une dizaine de membres pêle-mêle, des nez, des coudes, des coudes, de la laine, du déo. NKM qui s'apprête à participer à l'émission de Frédéric Lopez, rendez-vous en terre inconnue, métro Château-Rouge. Et je vous promets, Nicolas, dès qu'elle rentre, sa première réaction, elle est pour vous. D'accord, Jérôme Commandeur, merci beaucoup et à demain.